Madame la Présidente, chers collègues, Monsieur le Ministre de l'Économie, depuis une semaine, c'est le festival des promesses creuses pour répondre à la colère des agriculteurs. Ils vous demandent de les protéger des importations à prix cassé, mais depuis 25 ans, l'Europe avec la France multiplie les accords de libre-échange avec un but, gagner des marchés pour les grands groupes de l'industrie et des services, en décimant l'agriculture française. Depuis 7 ans, le président Macron finit de sacrifier les agriculteurs. Il a ratifié un accord avec le Japon, Singapour, le Vietnam, le Chili, Nouvelle-Zélande. Et il soutient les accords avec le Mercosur, l'Australie, l'Inde, l'Indonésie, la Thaïlande. Et pendant que vous y êtes, vous allez peut-être nous ressortir le TAFTA. Alors vous nous dites, pas d'inquiétude, j'engage un bras de fer avec Bruxelles en endormant les éleveurs français avec des clauses miroirs. Ça ne vous dérange donc pas d'avoir des dizaines de milliers de tonnes de viande importées en plus d'Australie ou du Brésil, qui viennent d'élevages de dizaines de milliers de bêtes, où le coût du foncier est presque nul, qui passent par des abattoirs géants où le SMIC n'existe pas. Clause miroir ou pas, c'est une concurrence insoutenable pour les éleveurs que vous imposez. C'est vrai aussi pour la pêche, les fruits, les légumes. Comment osez-vous faire croire que vous protégez l'exception agricole française ? Ça fait des semaines que le président Macron nous répète que la France a mis fin aux négociations avec le Mercosur. C'est faux! Le vice-président de la Commission européenne, Dombrovskis, le rappelle hier, les négociations se poursuivent comme prévu. Monsieur le ministre, stop! Notre agriculture se meurt de votre folie dérégulatrice. Une autre agriculture est possible à condition de la protéger des multinationales et de la concurrence internationale. Vous devez convoquer un Conseil européen, retirer le mandat de la France des négociations de tous les accords de libre-échange en cours, à commencer par le Mercosur. Oui ou non, le ferez-vous ?